Coucou tout le monde, c'est Nao, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une première vidéo de multigaming. On va partir sur du Hearthstone. Mais avant, donc, je voulais vous dire, pas eu trop de vidéos cette semaine. Je pensais commencer cette chaîne un peu plus tôt, mais bon, j'ai eu des soucis de santé. J'en ai toujours d'ailleurs, mais je vais un petit peu mieux, donc j'en profite pour reprendre les vidéos en douceur. D'ailleurs, vous pouvez voir au passage, hein, je me suis un petit peu ouvert le menton, hein, les cicatrices de guerre, c'est pas très joli. J'espère que vous m'aimerez quand même. Je voulais faire mes quêtes. Pourquoi? Parce que les quêtes me donnent des sous, enfin des golds, je ne sais pas comment on dit, et me permettent ensuite, pourquoi pas, de faire une arène pour gagner des paquets ou pour tout simplement acheter des paquets. Parce que le but, c'est d'acheter des paquets. Je n'ai jamais dépensé un seul centime dans ce jeu, sauf quand j'ai dû acheter des aventures. Mais ça, c'est nécessaire si on veut avoir les cartes des aventures. Donc le but du jeu, c'est de pas acheter de paquets, tout simplement. Alors vous pouvez voir que j'ai déjà 6 paquets. Que j'ai décidé de ne pas ouvrir. Alors je m'étais dit je les ouvrirai pas tant que j'arriverai pas à 100, mais franchement ça me démange, j'ai envie de les ouvrir. Donc je vais faire comme mon ami Wushu qui lui ouvre tout mois par mois. Donc là j'ai accumulé 6 paquets et donc le premier du mois prochain je pense que j'ouvrirai les paquets que j'ai accumulés et ainsi de suite le mois d'après, parce que c'est un petit peu un plaisir que je voulais avoir d'ouvrir plein de paquets en même temps. Mais bon, j'aurais pas la patience de tenir jusqu'à 100 paquets, donc il va bien falloir que je me débrouille un petit peu autrement. Alors du coup, comme je vais un petit peu tryharder, hein, vous savez, Hearthstone me demande du tryhardage, fromage. Alors du coup voilà, je revais mes lunettes d'intellectuel en espérant que ça me donne un petit peu plus de puissance dans mes parties et que je gagne plus facilement. Voilà, c'est psychologique. Alors, que me disent mes quêtes? Gagner 2 matchs avec un chasseur ou un mage, gagner 2 matchs avec un prêtre ou un démoniste, gagner 3 matchs avec une classe. Donc on va jouer démoniste. Démoniste, oui, parce que j'aime bien jouer celui qui est le moins élevé en level. Bon bah chacun ses trucs, hein, après tout. Par contre, au niveau de mon deck démoniste, j'ai un petit peu fait n'importe quoi pour faire les monts roche noir et compagnie Naxxramax. Donc est-ce que je recommencerai pas? Tout simplement, on va recommencer le deck carrément, ce sera plus simple. Allez zou, au revoir. Moi je veux des légendaires, je vais montrer que j'ai des... Alors qu'est-ce que j'ai de neuf? Alors ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Voilà, allez hop. Là j'aime bien aussi, bon c'est pas un... Ce n'est pas un légendaire, mais pour moi c'est tout comme. Ça c'est bien. Enfin c'est bien selon ma perspective, hein. Peut-être que pour vous c'est nul, mais en tout cas moi j'aime bien. Alors il faut des petites cartes, parce que là j'ai pas mal de grosses cartes. Et pour les premiers tours de jeu, je vais être comme une con. Alors, des petites cartes. J'aime bien le docteur Vaudou avec le démon parce que ça me rend un peu de points de vie. Ah, la chouette. Moi, j'aime bien silence, donc je vais prendre 2 chouettes même. Qu'est-ce que tu fais? Hobgoblin, hobgoblin. Ça peut faire un combo aussi avec le... Pourquoi pas? Avec le éruption de Diablotin. Et on va mettre des sorts maintenant, parce que là j'ai pas de sorts. 3 points de dégâts. Bon allez, celui-là je vais le mettre. J'ai dit des sorts et je prends un serviteur. Tac, tac, tac. Voilà, je prends un peu au pif. Hein. Bon allez, on y va, et puis on verra bien ce que ça donne, et au besoin on retravaillera le deck. Donc il faut qu'on ait 2 victoires, hein, c'est tout. Sachant que là je suis rang 18. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais j'y suis arrivée. Donc le but c'est de pas descendre. Vu que je suis arrivée là, j'aimerais bien rester quoi, hein, tant qu'à faire. Alors pas mal, pas mal. Je vais garder le docteur Voodoo pour plus tard. Et la bombe aussi. Oui. Bon, pourquoi pas. Alors, je mets ma provoque comme tout bon démoniste qu'il se doit. Il fait la pièce, donc une carte à 2 de mana. Non, pas sur moi, pas sur moi, pas sur moi. Oui. Bon, ça va. Inflige 2 points de dégâts à un serviteur. Allez, parfait. Tac. Je clean le board. Oh non, ne me vole pas mes cartes. Bon, allez, moi, je nettoie. Hein. Je nettoie la zone. Tour prochain, je mets sûrement ma provocation. Quoique j'en ai une, donc peut-être que je vais mettre mon guetteur flottant. Ça dépend ce qu'il pose.
Non, bah, je mets mon crash vase alors. Est-ce que je le tue en 2-3? Ou est-ce que je... Oh, allez, je lui mets. Il fait 2 de dégâts, il sera obligé de taper ma provoque. Je fais check. Le prêtre. Mais en dessous, ma provoque, il y a une provoque et tu ne me finis pas. Et tu tues ta chouette. Ça, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Alors, si je fais 5... Je vais mettre celui-là parce que derrière, il y a... Il y a un râle d'agonie qui va me mettre un démon s'il le tue. Donc c'est tout bénef. Non ! Cheater ! Il va me la mettre. T'as vu ? Il y a une autre provoque derrière la provoque. C'est formidable ! Et tiens, je te mets une autre provoque derrière la provoque et je me fais un petit soin. Hop, des familles. Youpi. Après, s'il me met ma provoque crash vase, moi je peux lui mettre ma chouette. Où sont mes légendaires là? Ah ouais. Ah ouais, mais est-ce que je tue ma provoque du coup? Ça, c'est pas très intelligent. Je vais mettre ça. Je vais faire ça. Ah, bien. Parfait. Non, on va laisser la provoque. On va face check le prêtre. Et je garde le reste sous la main. Parce que je vais pouvoir mettre mon écuyère avec l'ob gobelin. Ça va être nice. Là, il me tape là. Il finit ma provoque. Mettons, je peux lui faire un voile de mort. Ah non. Ah non. Nul. Oh non. Non. Non, mon démon. Ah oui, mais du coup, j'avais pas de démon en main, alors ça m'est rien du tout. C'est nul à chier. C'est nul à chier. Alors, bon, tant pis. Alors, hop. Les gobelins et des gnomes. Allez, bim. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Qu'est-ce que tu vas faire contre ça? Mon hop-gobelin est en marche. Non, ma carte, c'est bon. J'ai ma chouette. Tout va bien. Un point de dégâts, mais... on s'en fout. Ah. Ah. Intéressant. Ah oui mais non, je peux pas faire. Alors attends. Ma chouette, hop, sur la provoque. Celui-là. Allez, celui-là. Adjugé vendu et on s'en fout de ses cartes. Nous, on tape. Là, s'il me fait, mettons, un contrôle mental. Il va pouvoir me faire un contrôle mental, là. Ah mais c'est... C'est toutes les cartes. Nice. Oh, j'ai bien fait de faire celle-là. Ne me tue pas mes cartes. Non. Ah, je garde le... Parfait. Parfait. Hop. Et hop. C'est la première fois que je la joue. Parce que je l'ai débloquée il y a pas longtemps. Et j'ai assez contente. Allez, tue-la moi que je vois ce que ça fait d'être Ragnaros, le seigneur du feu. Oh non, il va tuer mon gobelin. Ah, j'ai pas de chouette. Ça, c'est bien emmerdant. Oulala. C'est qu'il commence à me faire du dégât, mine de rien. En plus, je crois pas de dégâts avec trop. Ah bah non, c'est pas le moment de la jouer, celle-là, clairement. On tue. Tac. Quelqu'un est blessé. Là, normalement, je le finis. Mais bon. Oui, d'accord. Donc là, il va pas pouvoir me contrôler le mental. Ah, il sait qu'il a perdu. C'est moi qui ai perdu? Non. 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 Ah, oui. Oui. Je dis oui. Je dis oui. Et oh, je vais même faire mieux. Je vais faire ça. Et bim. Et boum. Allez, une victoire. Ah, nice. Ta 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 ta. Wouh. Non, j'aime pas les voleurs. Ah, mais c'est pas fou ce début de... Moi, je veux rien de tout ça, hein. Donne-moi autre chose. Un truc bien. Attention. Le début détermine la suite du combat. De chouette. Qu'est-ce que je fais avec ça?
Mes chouettes ne sont pas là pour commencer un combat, elles me servent quand il y a un truc à silence, enfin! Quand même! Bon, super. Super! Vraiment, début de tour formidable, hein. Ah, ouais. Effectivement. Eh ben, je fais ma pièce et je fais mon implorateur du vide. Implorateur du vide. Mais... Ah oui, j'ai un démon. C'est bon, tu peux le tuer. J'ai un démon dans ma main, tu peux y aller. Oh. Bon, ça, c'était moche. Ah non, ça... Ok. Pas très logique, tu le finis pas là. Non, je vais tuer son machin. Je tue son machin. Je sais pas trop en fait avec ce sort si je dois booster mes démons ou pas. J'ai beaucoup de cartes en main, c'est rare. Elle me le finit, j'ai mon démon guetteur flottant qui va. Bim. Voilà, parfait. Super. Ah t'es mad. Là tu te dis que t'as fait une connerie. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous mettre? Parce que jusqu'ici, elle a joué qu'au cac. Enfin, au dague. Ouais, non, je suis un peu... Sun-Si n'est pas une framette. Ouh, la lame d'assassin. Attention. Allez, je mets mon crash vase. Et boum. Un point de dégâts, elle finit. Mais j'ai encore une provoque derrière. Ah, 4 de durabilité quand même, hein. Ouais. J'ai pas de... De limon acide, là. Dommage. Mais pourquoi elle fait ça? Vas-y! Boum! Je détiens la force toute puissante! Oh! Y'a du fun un petit peu là? Non, hein, j'ai l'impression que c'est un petit peu. Ma provocation! Mais c'est pas grave, j'en ai une autre! Moi! Boum! Ça, ça fait 4 points, c'est un peu beaucoup 4 points. Vas-y, j'en fiche 3 points de dégâts. J'ai moins de vie que lui, hein, au final. Bon, bah celui-là est mort. Là, il va me face check bien sympathiquement. Je vais mourir? Non. Bon, bah, pas de choix, hein. Ça déjà, il faut le tuer. Est-ce qu'il me fait 9 de dégâts? Oui, mais mon docteur vaudou, là, j'en ai besoin. Il me faut 2 points de vie. Oh. Mais rigole un peu. Laisse-moi mes cartes sur le board, enfin. Oh, il est pas marrant, hein. Il m'empêche de jouer complètement. Il y a plein de cartes que j'ai pas, en plus. Oh. Ah. J'ai la chouette. Oui, ouais, mais j'ai pas de provoque. Ah, bon, bah, je suis morte. C'est trop triste. Non. Bah ouais, mais j'avais plus de provocation, là. Alors, moi, j'aime pas abandonner non plus. Ça, c'est un truc que j'aime pas. Non, mais vas-y, allez. Oh non, mais tape-moi direct. Arrête de jouer, please. Ah voilà, merci quand même. Bon, je vais perdre une étoile, ça c'est très moche. Surtout qu'on aurait pu... Dommage, vraiment dommage. Toi non déjà, toi non plus. Ça oui, à la rigueur. Bon. C'est pas ouf comme début, mais heureusement j'ai le diablotin des flammes. Mais bon, il va me faire un petit peu mal celui-là. Ceci dit, tour d'après, je peux me faire un petit docteur vaudou. L'un dans l'autre. Ah non, il faut me débarrasser de cette chose. Oh. Oh. Bah du coup ça lui laisse plus d'un tour tranquillou. Il faut que je me débarrasse de ça. Oh. Mais ça se reproduit cette chose. En plus. Sans déconner quoi. Inflige 3 points de dégâts. Parfait. C'est vraiment un
Allez, zou. Bon, évidemment, mon docteur Vaudou il passe, hein, là. Au choix, je préfère qu'elle me laisse celui-là, hein. Allez, une petite provoque. Comme ça, je garde ma micro-machine encore un petit peu, sauf si elle a un sort. Ouh, 6 points de dégâts, va falloir commencer à faire quelque chose contre cette chose. Cette... petit mais costaud. Non. Bien joué, ma micro-machine qui trépasse. Tristesse infinie. Et boum. Allez, je sens bien. Mais bon, cette image, tout peut changer. Oui. J'ai pas de démon dans ma main. Hein, un peu moche ça par contre. Le tue pas tout de suite parce que j'ai pas de démon dans ma main. Please. Oh non. Bon, moi je chouette le truc. Suicider mon mouton dessus. Hop. Et voilà. Non. Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu m'as fait? Hop. Allez, je le booste un petit peu. Histoire qu'on rigole. Allez, bim. Ou une provoque. Pourquoi pas. Mais j'ai une chouette. Et je pense que pour toi, ça va être la mort. La mort. Oui. C'est la mort. Oh non! Tout mon plaisir! Pourquoi tu abandonnes? Non! Bon, démoniste, on s'en est bien sorti. C'était quoi l'autre? Deux matchs avec un chasseur ou un mage? Chasseur, mage, pas de doute. Il faut que je parte sur le chasseur. Allez, on enlève tout. Alors, moi, je veux tisseuse. Je vais en mettre deux même. Parce que j'aime bien. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Des légendaires. Alors, les trucs morts, c'est pas mal. Chambellan aussi, et mon machin. Voilà. Un crash vase. Et il me faut des bêtes. Des bêtes. Donc je vais mettre deux chouettes, ça c'est sûr. Ah, les araignées, ça c'est bien. Tac. Il me faut du bestiau. Ah, ça c'est cool. Ah, faut que je mette des sorts maintenant, donc. S'il faut, j'enlèverai des légendaires pour qu'il y ait plus de... On va enlever celui-là. On va mettre le maître chien provoque, là. Point de vie à 1, c'est pas mal. Il me faut du sort. Là, j'ai 30 et 30 déjà. C'est pas oufissime, hein. Bon, on verra bien. On verra bien. S'il faut, on modifiera le deck si ça passe pas. Comment je peux appeler ce deck? Il n'y a pas beaucoup de sorts. Bête sans poil. Allez, zou, bête sans poil. Je saurai. Je me rappellerai de ce deck. Oh! Ah non, c'est Nick Martin. J'ai cru que c'était Nicky Martin en face de moi, mais pas du tout. Oh non! Un voleur. Alors non. Je veux des cartes du début de jeu, please, quoi. J'ai mis plein de cartes de 1, de 2, vous pouvez pas me la faire. Oh, j'aime pas. Ouf, j'ai la pièce, je vais pouvoir mettre l'élec du roi. Please, une carte grosse et puissante. Oui, donne-la-moi, Stalag. Ah, j'ai cru qu'il allait pas me la donner. Tu fais une feinte, hein, tu la remets dans le paquet et tu fais style. Bon, à partir du tour 5, j'ai l'embarras du choix, clairement. Bon, on va mettre celui-là et puis on verra. Oh là, bim! Allez! Il va falloir qu'elle tue mon loup, là, il n'y a pas d'autre choix. Voilà. Boum! Bam! Tellement d'options. Je vais m'endormir! Mais joue, bon sang de bonsoir, fais un truc, quelque chose, pas compliqué. Mais tape mes mobs. Et ben voilà, bah tant pis, moi je fais ça et ça, hein. Allez, zou, bim, boum.
Qu'est-ce que tu vas faire alors? T'es midlife là, quasiment. Bah non, t'es midlife en fait. Pas quasiment, t'es midlife. Et réagis, fais quelque chose. Ça d'accord. Allez, zou. Ça provoque. Anti-jeu, c'est de l'anti-jeu, monsieur. Madame, monsieur. Là, je vais mettre ma petite provoque. Oui. Et ma petite tisseuse qui n'arrive que maintenant. Bah, ça, c'est triste. Ah, mais ça joue pirate, en fait. C'est une voleuse pirate. Alors, moi, je vais tuer avec ma tisseuse. Bon, pas besoin. Pas besoin. Tac. Hop. Non mais c'est original comme deck, j'avais jamais trop vu de pirates. Mais non, enfin. Bon, je vais pas me plaindre. Je ne vais pas me plaindre. Mais du coup, je vois pas toutes les possibilités de mon deck, c'est un petit peu triste. La victoire est à nous. Non et non. Des bonnes cartes. Oh, une tisseuse, génial. Je vais garder ma pièce pour plus tard. Ping ma tisseuse. Oh non. Oh, ça c'est très moche. Ah bah voilà. Tac. Je tue avec ma tisseuse. Et je viens mettre ma rampante. Un autre auteur égaré. Bon, c'est pas trop mal. Ah non, mais ça, c'est pas cool, par contre. Est-ce que si je silence ça, ça le fait? Oh, le plus simple est de s'en débarrasser, je pense. Tac. Et hop. Bon. Croisons les doigts, ne tue pas mes mobs. Non! Bon, il reste mon loulou. Ne réfléchis pas trop, ça grille les neurones. Passe. Clique ici. Là. Mais clique là, il te reste un de mana. Qu'est-ce que tu veux faire avec un de mana? La tactique de l'escargot, là, c'est pour que elle use mes nerfs pour voir si je vais abandonner ou pas, je pense. Et pourquoi j'ai pas le... Y a pas le... Il a appuyé au dernier moment. Pourtant ça a fait chpoum. Pourquoi y a pas la dynamite là? Ah non! Il joue! Oh! Il est revenu. Ah, il avait dû partir au petit coin. Oh, il tue toutes mes cartes en plus. Je vais faire ça. Ah, on est 28-28, hein. Oh, il fallait que je pioche une tisseuse, hein. Comme si j'avais pas assez de grosses cartes. Hors de question que je le laisse faire quoi que ce soit. Est-ce que je tue son machin? Non. Allez! Ce qui va être renvoyé dans la main. Mouton, évidemment. Heureusement, il aura le temps de faire un petit truc. Évidemment, un mouton. Bah oui, évidemment. Évidemment. Tellement pas de fun. Au revoir. Boum, dame. J'espère que t'as un autre mouton là, ma grande, hein. Sors ton troupeau. Et ton bâton de bergère. Ouh, le choc de flamme, allez, bim. Bon, c'est la mort de tous mes mobs. Alors, je vais invoquer. Oh, nice. Il meurt, mais on s'en fout. Ouf. 5. Fugen. Et hop, ma pièce maintenant. Parce que sinon, je pourrais jamais l'utiliser. Ça serait moche. Vas-y, tue-le. Oh, oui. Oui, vas-y. Le ping. Yeah. Yeah.
Oui. Ah bah, bonjour. Bon, passe, laisse-moi te plaisir, n'abandonne pas. Laisse-moi te taper, s'il te plaît. Je te fais mon plus beau sourire. N'abandonne pas. Oui. Ah, je veux voir ce que j'aurais invoqué. Juste. Oh, parfait. Et boum. Et bim. Meurs maintenant. Bam, 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 bam. Série de victoires, étoile bonus. Je passe rang 17. J'aurais dû laisser l'animation. J'ai pas laissé l'animation. Wouh, je suis une vache. Un guerrier tauren. Parmi les 45% de meilleurs joueurs en partie classée cette saison. Prochain rang, aventurier. Yeah. J'ai jamais été aussi haut dans le ladder. Yeah. Est-ce que c'est pas génial? Donc, prochain Hearthstone, on ira faire une arène, tiens, parce que j'ai assez de goldes. Donc voilà, au programme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des conseils à me donner, des noms de decks rigolos, tout ce que vous voulez, bah, mettez-moi un petit commentaire en bas et ce sera avec plaisir. J'espère que ce jeu vous plaît, que les autres jeux vous plairont et que cette chaîne vous plaît aussi, etc. Je vous fais des bisous et je suis contente. Est-ce que les lunettes, c'est pas du tryhardage de porcas là, hein? Non, parce que quand même, je viens de passer rang 17, hein. Je sais pas si vous avez vu. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez encore plus d'Hearthstone et si ça vous a plu. Allez, des bisous!